On commence par un projet de série télé, les médias évidemment. Oui, ce sera un événement parce que dans cette série, il y aura Brigitte Bardot. Alors Brigitte Bardot ne jouera pas dedans, mais elle sera au centre de l'intrigue. Alors pas la bébé d'aujourd'hui, hein, celle qui fait de temps en temps des déclarations un peu hasardeuses et borderline, mais plutôt la bébé jeune, celle des débuts à Saint-Tropez. C'est cette période mythique de son histoire que propose de raconter la réalisatrice Danielle Thompson. L'action se situera entre 1950 et 1960. C'est durant cette décennie que Roger Vadim l'épouse à 18 ans en 1952 et réalise 4 ans plus tard Et Dieu créa la femme. C'est au cours de ce tournage qu'elle tombe amoureuse de son partenaire, Jean-Louis Trintignant, et c'est aussi à cette occasion qu'elle découvre Saint-Tropez et qu'elle achète la Madrague en 1958. C'est enfin durant cette période qu'elle se met à chanter. Bref, c'est une période riche et qui donc va donner l'objet de cette série. Danielle Thompson fera ainsi son retour à la télévision, à la réalisation de la télé, puisqu'elle avait réalisé il y a 10 ans La Bicyclette Bleue avec Laetitia Casta. Pour le rôle de bébé, personne n'est encore annoncé. Danielle Thompson a seulement prévenu, le casting sera intéressant. Ah oui, ça c'est sûr. Et puis grosse pression hein, pour la personne qui va faire Brigitte Bardot. Parfois, ce sont des inconnus justement qui sont repérés à l'occasion de ce type de rôle. Ce sera un nom. Un mot également, vous vouliez nous parler d'un médecin qui quitte la télévision, pas Gérald Kirzek, rassurez-vous.